d'une importance capitale qui s'inscrit carrément dans la comment dirais-je dans le renforcement des capacités des journalistes et de plus en plus on est en train de se diriger vers la spécialisation parce que la question de l'enfance est une question éminemment n'est-ce pas importante et mais son importance aussi dévoile vraiment la complexité avec laquelle et surtout la sensibilité de cette question-là. Donc du coup, il était important vraiment de renforcer la capacité, n'est-ce pas, de ces journalistes-là, de manière vraiment à manipuler, à manier vraiment cet outil-là. Donc c'est ce qu'on a fait durant 4 jours. Hein, donc on les a sensibilisés sur le droit des enfants. Même comment communiquer avec un enfant, comment donner la parole à un enfant, ça c'est déroulé encore dans d'autres coins, n'est-ce pas, du pays, la même expérience. Parce qu'ils ont commencé avec Saint-Louis, aujourd'hui nous sommes en Bourg, demain ça va être, disons, Kaolack, ensuite Ziguinchor. Donc ça veut dire que les reporters vont bénéficier vraiment de ce renforcement de capacité de manière vraiment à améliorer leur, disons, la couverture des questions liées à l'enfance. Ça veut dire qu'on peut être en forgeron, en cordonnier, je n'ai rien contre vraiment ces métiers qui sont des métiers nobles, et se retrouver vraiment, vraiment dans une salle de rédaction parce que simplement vous tirez l'essentiel du revenu de ces métiers-là. Donc c'est ce que nous avons voulu corriger avec le Code de la presse. Le Code de la presse dit désormais qu'il y a 2 portes d'entrée vraiment dans ce métier. La première porte, d'abord, c'est celle des écoles de formation. On ne peut pas prétendre être journaliste si on n'a pas un diplôme d'une école de formation dûment reconnue par l'État. Et la seconde, évidemment, est vers le haut, en ouvrant ce métier au monde universitaire. Voilà, c'est cela. Donc, c'est la loi, d'abord, vraiment, qui a permis cela, mais c'est la loi aussi qui va corriger cette situation. Merci.